Alors, on va continuer à s'entraîner à faire des additions de tête, comme ça, en regroupant différemment les nombres, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. Alors, ici, par exemple, j'ai 108 plus 621, et on nous dit que ça, c'est égal à 100 plus quelque chose. Donc, il faut qu'on trouve quel est ce quelque chose. Alors, ici, on avait 108, maintenant, on n'a plus que 100 ici. Ce qui veut dire que là, on a enlevé 8 à ce nombre-là. Donc, effectivement, si on a enlevé 8 à ce nombre-là, eh bien, il faut les rajouter au nombre d'après, à 621. Donc ici, on doit avoir 621 plus 8. 621 plus 8, ça fait 629. On a ajouté 8 unités. Voilà. Alors du coup, ce qu'on a, c'est que 108 plus 621, c'est égal à 100 plus 629. Et là, tu vois qu'on obtient une opération qui est beaucoup plus simple à faire, puisqu'on a juste à ajouter une centaine à 629. Donc tu as 629, tu ajoutes une centaine, ça te donne 729. Seul le chiffre des centaines va changer. Donc voilà, ça c'est une manière beaucoup plus simple de faire cette addition-là. Alors on va continuer. 51 plus 83 est égal à quelque chose plus 84. Alors on avait ici 83, et maintenant on a 84. Donc on a ajouté 1 à ce 83 pour avoir 84, et ce 1, il faut qu'on ne pas sorti de nulle part, on l'a pris en fait dans ce 51-là. Hein. Donc si on avait 51 et qu'on prend une unité, eh bien, il nous reste 50, hein, 5 dizaines. Et du coup 51 plus 83, c'est la même chose que 50 plus 84, mais ce deuxième calcul-là est beaucoup plus facile à faire, puisqu'on va avoir... 0 unité plus 4 unités, donc 4 unités. Et puis 5 dizaines plus 8 dizaines, c'est-à-dire 13 dizaines. Donc on va avoir 13 dizaines et 4 unités, c'est-à-dire en fait une centaine, 3 dizaines et 4 unités, donc 134. Tu vois que là, on peut faire ce calcul-là beaucoup plus facilement de tête. Allez, on en fait encore quelques autres. Complétez pour calculer 68 plus 693. Alors là, ça va être toujours la même technique. On va essayer de réarranger les nombres pour avoir des additions dans lesquelles il y a un nombre qui est plus rond que les autres. Alors ici ça a l'air très compliqué, hein 68 plus 693. Bon, ce qu'on peut avoir envie de faire c'est de remplacer ce nombre-là, 693, par la centaine supérieure, donc par 700. On va voir ce qui, ce qui est proposé ici. On nous dit que 68 plus 693 c'est la même chose que 61 plus quelque chose. Donc ça, c'est entre parenthèses, ça, ça veut dire que ça correspond à avoir cette valeur-là, hein, 68, plus 693, et tu remarques qu'ici, on n'a rien changé, on a le plus 693 de tout à l'heure, de la ligne du dessus. Donc là, en fait, 61 plus quelque chose, ça doit être égal à 68, donc ici, on doit mettre 7, hein, 61 plus 7, ça fait 68. Voilà, donc on a écrit ce passage-là, et en fait, si tu regardes la ligne du dessous, on a changé l'ordre du calcul, c'est-à-dire qu'en fait, ce 7... On a, au lieu de le mettre avec 61, on le met avec 693. C'est ça que ça veut dire le fait d'avoir changé les parenthèses hein, ici. Donc ici, on a ce 7 que j'ai pris dans le 68 pour le remettre avec le 693. Et effectivement, là, ce qui est pratique, c'est que euh, 693 plus 7, eh bien, ça fait 700. On a 3 unités plus 7 unités, ça fait une dizaine. Donc finalement, on a... 6 centaines plus 10 dizaines ici, donc en fait 7 centaines. Voilà. Et là, on obtient donc une, une addition équivalente qui est 61 plus 700. Et là, c'est beaucoup plus facile à faire. Puis, il suffit de compter le nombre de centaines, de dizaines et d'unités qu'on a en tout. Alors, on a déjà ces 7 centaines qui sont là. Je les mets ici. C'est 6 dizaines qui sont ici, plus 0 là, hein, donc 6 dizaines en tout. Et puis une unité là plus 0 ici, c'est-à-dire une unité en tout. Voilà. Donc tu vois que là, on fait très très facilement ce calcul en simplement en ayant échangé ces, ce 7 qui était dans 68 pour le redonner à ce nombre-là, 693, et du coup obtenir un nombre de centaines beaucoup plus facile à manier. Voilà, on va faire encore celui-ci, compléter pour calculer 444 plus 299. Alors ici, 299... C'est très proche de 300, donc on a envie d'ajouter 1 pour avoir 300. Et effectivement, c'est ce qu'on va faire ici. On regarde ce qui se passe dans cette parenthèse-là. En fait, on, ici, on a 443 plus quelque chose. Et si tu regardes bien, ensuite, on a 299 qui correspond à ce 299 qui est là. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est écrire 444 comme 443 plus quelque chose. Et bon, 444, c'est 443 plus 1. Voilà. Et à la ligne du dessous, en fait, on échange de place ce 1, puisqu'on l'a pris dans 444 pour le remettre ici avec 299. Du coup, à la ligne du dessous, on a, en fait, on a juste changé les, les places des parenthèses, et on obtient que c'est 443, plus ici le 1 qui était là, plus 299. Et tu vois que maintenant, dans cette parenthèse-là, on a quelque chose de très simple. 299 plus 1, ou 1 plus 299, ça fait 300. Et voilà, donc on a transformé le, cette addition-là en celle-ci, 443 plus 300, qui est beaucoup plus facile à calculer puisqu'on a ici un nombre rond, un nombre de centaines. Donc là, on, fait, on calcule simplement combien il y a de centaines. Il y en a 4 ici et 3 là, ça fait 7 centaines. On a 4 dizaines ici et 0 là, donc 4 dizaines en tout. Et puis 3 unités là et 0 unités ici, donc en tout 3 unités.